Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog à La Roche-sur-Yon, Nantes, Vendée, Loire-Atlantique. Enfin bref, vous m'avez compris, puisqu'aujourd'hui en fait je m'en vais de La Roche-sur-Yon. Là je vais partir dans même pas trois quarts d'heure. Il faut vraiment que je fasse ma valise et je vais me dépêcher. Parce que j'ai un train en fait, un intercité que à 11h 47, quelque chose comme ça, ou 57, je sais plus, qui arrive vers midi 13h à Nantes. Et en fait, je peux pas prendre d'autres trains si je le rate, donc c'est bête parce que quand c'est des TER, on peut prendre les autres trains de la journée si c'est la même période. Enfin, ça dépend de sur quelle période il est classé, enfin, c'est un bordel. Et quand c'est des intercités, on doit obligatoirement entrer sur ce train et pas un autre. Et donc du coup je suis dans la merde si je le rate. Donc je vais essayer de me dépêcher parce qu'en fait je vous explique. Là normalement j'ai le temps, mais le problème c'est que j'ai 1 heure de marche parce qu'il n'y a pas de bus, on est dimanche et à La Roche-sur-Yon il n'y a rien dimanche. Donc je suis obligé de faire 1 heure de marche parce que j'ai pas de quoi me payer un taxi, c'est catastrophique. Enfin bref, donc voilà, du coup je vais passer aujourd'hui l'après-midi à Nantes jusqu'à 17-18h. Ensuite vers 18h il y a Gladys qui va venir. On va se rebalader ensemble dans la ville juste pour faire des photos. Et on dînera ensemble pour 19-20h. Et à 22 mon train est à enfin pour ce soir est à 22h et je repartirai du coup à 22h. Donc voilà, du coup bah bienvenue dans ce vlog à Nantes qui va être principalement composé de plans, etc. Bon les amis, je suis bien arrivé à Nantes. J'ai utilisé un service pour mettre ma bagage en consigne qui s'appelle Nannybag. C'est pas du tout sponsorisé mais c'est trop pratique. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un grave bon plan, c'est pas très cher, c'est moins cher que les consignes à la gare. Parce qu'en fait à la gare de Nantes il n'y a pas de consignes. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et du coup voilà. Bon, alors du coup c'est parti pour cette petite après-midi à Nantes. Let's go. Bon les amis, je suis en plein centre-ville de Nantes. Je viens de manger à Bagelstein, c'est trop bien. Je me suis fait un super bagel parce que je fais tout le temps des personnalisés quand je vais à Bagelstein. En plus j'y vais pas souvent, je préfère y aller quand je voyage plutôt qu'y aller à Paris. Parce qu'à Paris, ils sont un peu chiants à trouver, ils ferment tout le temps, ils changent tout le temps, c'est un peu galère. Et c'est cher, donc c'est pour ça que j'y vais pas souvent. Et voilà, alors là je suis devant cette cathédrale, je ne sais pas laquelle c'est. Il y en a plusieurs à Nantes et celle-ci je ne sais pas. Voilà, mais elle est très jolie en tout cas. Donc voilà, j'aime beaucoup l'architecture. Bon après ça c'est classique, hein, partout en France, voilà quoi, c'est la vie.
Bon, bah, les passages Pommeraye, le passage Pommeraye, c'est fait. Et c'est vraiment magnifique, je suis choqué, c'est trop beau, c'est le plus beau passage de ma vie que j'ai fait. Non, vraiment, c'est le plus beau passage que j'ai fait, c'est trop beau. C'est vraiment l'attraction à faire quand on vient à Nantes, quoi. J'ai adoré. Alors là, je vous ai fait des plans. Ça va être succulent. Je vais revenir tout à l'heure parce que j'ai rendez-vous avec Gladys ici, parce qu'on va faire des photos ici, ça pourrait être pas mal du tout. Donc voilà. Bon là du coup j'entre sur l'île de Nantes et c'est trop beau, c'est ce que j'ai toujours rêvé de voir à Nantes, c'est ça, c'est ce mélange de modernité et de côté ancien. Et il y a la police qui me fait bâcher là. Non je rigole mais c'est le bruit en fait. Et voilà. Donc là je vais aller aux machines de l'île. C'est genre vraiment un monument que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est dingue ce qu'on peut transformer. Bon, malheureusement, c'est un petit peu cher, donc ça sera pas pour moi, mais de l'extérieur, on voit déjà tout. Et il y a une énorme animation d'ailleurs. Non, franchement, c'est un bel hommage rendu à Jules Verne. Franchement, je trouve ça magnifique. J'ai pas vu grand chose pour l'instant. Enfin, là, devant moi, il y a le carrousel des mondes marins. Je trouve ça un peu dommage. C'est assez fermé, je trouve. C'est dommage de faire payer les gens pour ça. Enfin, oui, c'est un peu normal, mais le genre le tour de manège dans les carrousels des mondes marins, sachant que c'est pas un carrousel ordinaire, c'est vraiment genre des grosses machines qu'on peut contrôler tout, un peu comme ce que j'ai vu hier à La Roche-sur-Yon. C'est bah déjà ça coûte assez cher parce qu'il faut faire la visite compris, et enfin je trouve ça un peu mal fait, dommage, mais sinon c'est beau. Ah bah il est là l'éléphant, le fameux éléphant, c'est magnifique. Genre sérieux, regardez, waouh, je kiffe. Ah ouais d'accord. Ah c'est dingue.
Donc là je sors du mémorial de l'abolition de l'esclavage et c'est vraiment magnifique, franchement c'est très très bien fait. Donc voilà, bah, bravo à la ville de Nantes d'avoir fait ce monument, franchement c'est magnifique. Franchement c'est... J'ai pas plus de mots à dire, mais oui, les phrases bah, qui sont des grands classiques, hein, mis sur le truc et tout. Après j'ai pas eu le temps de lire, malheureusement j'ai pas tout le temps pour tout lire, mais non, c'est sympa. Bon, du coup je vais aller sûrement... Ah, attendez, j'ai fait l'île de Nantes, j'ai fait à peu près tout, enfin presque. Donc je pense que je vais aller pas tarder à me poser pour regarder un peu ce que j'ai fait comme plan, etc. Continuer de poster. Et après je rejoins Gladys à 18h et on va faire pas mal de photos, donc voilà. J'ai retrouvé la Gladys, je vais pas vous la montrer parce que ça prêtait à vlogger, mais en fait elle s'est pris des trucs dans l'œil. Ah non, ça a fail total. Genre, je lui dis tiens, vas-y, vlog. Elle me fait attends, je dois me moucher. Et après, ah, j'ai des trucs dans l'œil. Ah là, elle est en PLS, je vous raconte pas. Je vais être gentil, je vais pas la montrer. C'est... Je suis trop de bonne humeur pour être méchant là. Ah non, ma pauvre, ça va? Ouais. Pas besoin d'aller à la pharmacie, ça va aller. Ouais, ça va passer. Bon, on se bah, retrouve dans 10 minutes pour le vlog. Ah, on attend encore un peu? Ouais. Ok, bon bah, 10 minutes les gars. Il y aura 10 minutes de retard. Hashtag la SNCF. Pedro, l'influenceur en action. Il prépare tous ses posts Instagram. Bitch. Je vous avais pas dit du coup qu'on a retrouvé Gladys, elle est en train de filmer. Vas-y, monte ta tête. Tout à l'heure. Dans ce cas. Voilà. Bon bref, du coup on s'est posé sur la... Mais t'as méga zoomé là. Non, ah non t'as pas zoomé. Ah non c'est moi, non c'est bon. Non on s'est posé sur la place du buffet. Et puis du coup bah on va aller pas tarder à manger. Voilà, avec des petites bières. Vas-y ça filme. Oh non. À l'appareil il t'a foutu un sacré vent. Ça va pas le faire. Non non il faut refaire, attends. Non ça il bug, ça paraît il bug. Attends, attends, on va attendre. Ah là ça fait le focus. Montre l'urine noire derrière, en rouge. Voilà, le petit truc rouge là avec pointé du doigt, c'est un... Voilà, ça là-bas. On va hésiter de filmer. C'est un urie-trottoir, les gars. Et il y en a aussi à Nantes aussi. Donc voilà, je pense que vous avez tous entendu la polémique de l'urie-trottoir à Paris. Donc bon. Bon, sinon, on est avec la Gladys. Ouais. La Gladys. Et voilà. Mais en plus, tu sais que t'es jamais passé dans les vlogs, parce que... à chaque... à Lille. Ah oui. On a vlogué avec... J'ai zappé, tu sais que j'ai dit dans le vlog d'hier et tout, j'ai dit Gladys, vous la connaissez pas et tout, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, le vlog de Lille. Tu l'as vu aussi ou pas? De quoi? Le vlog à Lille. Elle a même peur qu'elle a pas vu. Bah oui. Ah si, voilà. Bah. Je suis dedans. Ah bah oui. La star du vlog. Bah oui, bah oui, évidemment. Ah, pour une fois quelqu'un qui... C'était hyper gênant, on vient de passer devant une terrasse, il y avait un mec que je connaissais. Il t'a vu en train de vlog. J'ai fait genre de rire. Je suis pas bien. Ok, on part sur une scène très drôle pour finir cette journée. Bon, du coup, on va aller au c'est quoi le nom de la pizzeria? Humberjack. Et on va manger une pizza, c'est grave, ça a l'air d'être un bon plan. Donc voilà, mais c'est pas très long là, on s'est pas perdu, non? Ah voilà. Derrière la Fnac. Ah voilà, c'est ça. C'est bien le truc qu'on a vu tout à l'heure. C'est oui. Bien. Oui, d'accord, avec le mémorial à côté, c'est ça. Et voilà, et après on va peut-être... J'ai pas tardé à y aller. Bon, ça va encore, il est... j'ai le temps. Il est 20h10, 5. 5. Voilà. Il est grave sur en plus à Paris, c'est coucou. Rare. Coucou. Ah mais en Provence, on est gentil. Bah oui, en Provence, alors, gentil. Pedro. Non, en fait, on voulait aller au... Lumberjack. Au Lumberjack, je n'ai pas le nom. C'était blindé, donc du coup, bah, on a préféré prendre ça. Pita Pit, je connais pas du tout, ça doit être d'ici. Enfin, non, les pita, c'est pas d'ici, mais le et non, pas de souci. Pas de souci. Et du coup, bah du coup, voilà. C'est tout. Et les vrais prennent végétarien. Oui, j'ai pris poulet parce que j'ai faim. Voilà. Bon alors Gladys, elle m'a trouvé un super plan, on va aller à la tour de Bretagne apparemment, on peut monter là-haut, c'est une grande tour, c'est des bureaux non c'est ça? Ouais. Sur le reste de la tour, ouais c'est un peu comme Montparnasse quoi, la tour Montparnasse et genre, il y a combien, il faut payer? 1€. Oh c'est bon, 1€ ça va, bon, on a juste à payer 1€ l'ascenseur et voilà c'est la tour qui est là. Donc j'ai pas fait de vue panoramique à Nantes, ça tombe très bien les gars. Donc là on prend l'ascenseur pour aller au haut de la tour, on va au Nid et c'est un bar en fait. Donc c'est 1€ juste pour monter puis après on fait ce qu'on veut. Genre j'adore le concept. Trop bon. Les fans.
En même temps. Non, mais Clady, ça va en plus. On est au coucher du soleil. Une des plus belles vues de 2018, les gars. Non, non, mais là. Il y a un peu de vent. En plus, on a trop la chance. On est venu. Bon, désolé, je suis pas l'aise. On est venu pendant les concerts gratuits. Donc là, il y a un concert à l'intérieur. Je peux y aller après. Attends, je vais rester là pendant 2 jours. Voilà, et en fait, il y a des concerts gratuits. Ça s'appelle Sunday, le groupe. Exactement. Ouais. Mais je sais pas c'est quel groupe. Mais le mec, il est au taquet, là. Ah ouais, au taquet. La cathédrale. Ah oui, oui. Oh non, ouais. C'est trop beau. T'aimes bien la vue? Ah non, c'est vrai que c'est elle qui m'a montré. Mais elle m'a donné un endroit hyper classe, franchement. Oh, attends, j'adore. Vas-y. Mais regardez le coucher du soleil, on a trop de chance. Oh. Mais oui, regardez-moi. Allez, ça, avec le les rose rosé. Ah, ça fait trop belle. Ça fait trop belle. La star, hein, avec les LED là. Ah non, en fait, c'est un peu grande. Ouais, oui, c'est vrai. Oh, j'aurais pu amener les octogonales là, celles que j'ai trouvées à Barcelone. Ah, oui. Hein. Ouais, j'aurais dû. Ça, tu les auras kiffé celles-là. Voilà, on va se. On va se quitter ici, les amis. C'était la plus belle vue de 2018.